homme qui trouverait une femme, il a trouvé le bonheur. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes en train, bon, c'est très bien ce que vous faites. Je ne critique pas. Préparation pour mariage, préparation pour ça, préparation pour ça. Dites-moi où. Elle qui prêche tout ça là-haut, devant qui on s'est préparé. Là, voilà, si. On s'est préparé avec quel message? On s'est découvert, on s'est marié, on vit dans la paix. Vous préparez les jeunes filles. Elle est rebelle. Tu vas la préparer à quoi? Quand sa mère dit « i », elle répond mal à sa mère. Tu vas préparer une fille comme ça pour faire quoi? Le message de Christ, ça suffit. Paul n'a préparé aucune chose, personne. Il mettait tout le monde sur le message. C'est ça qui les a changés. On te dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On laisse la partie chercher la même. La partie chercher n'est pas importante. Tu l'as trouvé, non? Comme tu l'as trouvé là, tu as trouvé le bonheur. Dieu te dit, voilà le bonheur. Mais toi, tu dis, c'est le malheur. Ah, mon ami. Ok. Dieu ne veut pas domestiquer ton mari pour toi. Dieu t'a donné l'amour pour l'aimer. Il a donné l'amour à l'homme pour t'aimer. Si aucun d'entre vous ne veut utiliser l'amour répandu dans mon cœur, selon Romains 5:5, pour aimer là, vous voulez dominer la fille là, vous voulez dominer le garçon là, la souffrance est devant vous. Un chrétien ne doit pas penser, je n'ai jamais pensé que je peux me divorcer. Divorcer quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ah, vous ne connaissez pas le mariage? Mais si vous divorcez avec votre femme, or vous êtes préparé pour être l'épouse de Christ. Tu t'es divorcé parce que tu dis qu'il a un mauvais caractère. Il n'y a pas de problème. On t'a dit que l'amour est là pour l'aimer. Mais tu mets Christ mal à l'aise. Comment tu peux échouer avec un être humain et puis être en accord avec un être divin? Ok. On veut parler où? On ne veut pas écouter. Ah, si tu connaissais mon mari, c'est toi qui es mauvais. Quand quelqu'un te dit, c'est toi qui es mauvaise. Sinon, tu n'allais pas filmer ton mari comme tu le filmes. L'amour couvre tous les péchés. L'amour couvre les faiblesses. L'amour couvre tout. Mais si ton amour n'allait pas à couvrir les péchés de ton mari, ça ne va pas. Nous parlons à tout le monde, hein. Tout le monde, jeunes, anciens et tout, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ne dis pas des petits écueils quand tu es marié comme ça. Toi, tu voulais marier un garçon de course. Hé, chérie, va ici. Cherche-moi ça. Tu sais que j'ai porté des chaussures là depuis un mois et demi. Il faut qu'on cherche. Ah, chérie, bon. Tu veux quoi? Comment? Tu n'as pas vu que maintenant c'est des chaussures de 155 000? Ok. Tu as l'argent? Non. Je vais te donner une chaussure de 155 000. Là. Viens, on va aller évaluer ton pied. Ah oui? On va évaluer ton pied? C'est les pieds de 155 000 qui portent les chaussures de 155 000. Voici une femme. Quand elle marche comme, elle marche comme ça. Tu donnes des talons, celle-là. Tu en honte partout où tu vas aller. La chaussure, la sort tombe seulement. Chérie, il y a quoi?
Il y a quoi? C'est mes chaussures là. Après, elle va sortir de son sac les tapettes, prendre les chaussures de 155 000 là, et tient dans sa main maintenant. Vous ne connaissez pas la vie du mariage, vous voulez. Vous êtes sur les télé-novelas, des bêtises comme ça là. Les télé-novelas ont commencé à notre temps. J'ai compris vite que ça là, si je suis ça là, ma femme va souffrir. Il balayait ma pensée. Présentait toujours un prince charmant. L'homme vraiment bien. Non, tu vois. Si tu as trouvé une femme, Dieu dit que tu as trouvé et le bonheur. Ouvre-le. Regarde. On n'a pas dit que tout est beau. Le bonheur ne veut pas dire absence de trouble ou non. Non. Non, mon ami. Bon. C'est ça. Tu ne peux pas échapper à ça. Là. Si la vie de Christ est en toi, tu vas aller simplement. Mais si la vie de Christ n'est pas en toi, tu verras tous les témoins du mariage. Il n'y a rien. Donc tu vois, donc ces choses-là, c'est important.